Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai. Donc on est parti pour une vidéo sur la training cave qui a été changée du coup avec le niveau 4. Spoiler, c'est de la merde, voilà. On va parler français, hein, voilà. On se fait nerf encore les ressources, mais bon, hein, on a l'habitude avec Netmarble. Cette intro, du coup, j'ai la flemme de mettre la caméra pour cette vidéo, parce qu'il faudrait que je vous les volais, et puis de toute façon, à cette heure-ci, quoi, 19h30, donc bon, dehors, il fait quasiment nuit, enfin, il fait même nuit, hein. Du coup, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, et dites-moi ce que vous en pensez de la nouvelle outro que j'ai bossé depuis plusieurs jours. Voilà, donc je l'ai terminé, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Du coup, nouvelle cave, le but ça va être de le faire avec un seul personnage à chaque cristaux. Voilà, comme à l'ancienne. Si je dis pas de bêtises, normalement je l'avais déjà fait, hein, donc vous aurez... je vous mettrai dans le petit bouton i en haut à droite, si je y pense. Donc du coup on a vu que c'était un cristaux bleu, donc il nous faut un perso vert. Et voilà. Donc au niveau aussi, s'en fout d'un, histoire que ce soit bien plus drôle. On va tester cette nouvelle training cave. Donc on offre une brunite avec 120 000 de CC. Que des AOE. D'accord. Ouais. Elle tape pas si fort que ça, hein. Même à peine midlife. Un peu déçu. Est-ce que ça a les mêmes skills que l'autre Brunhild? L'autre, ouais, c'est le même. Mais, attention. Et kill, ok. Ils ont que 143 000 PV. Ouais, tu... ouais, du tout shot, hein. Bon, là, j'aurais pas une deuxième mono parce que j'ai l'aspect, mais... Hey. Tu me diras, sur un perso qui a pas de vampirisme, peut-être que ça passera pas, hein. On verra bien. Ouais, c'est overkill. Voilà, parfait. Hop, ombre remplacée. Bon, couleur du bleu, ok. Et on affronte quoi? Géante. D'accord. Donc du coup on va partir avec Estarossa, Link, Zeldris pour le régène. Et c'est parti. Hop. Et il faut absolument qu'elle n'ait pas sa spé T2, sinon c'est fini. Oublie de reset. Ok, c'est bon. Je vais pouvoir jouer au jeu. À 3 attaques, elle va se prendre 3 counters dans la tête. Paf. J'aime bien les contres, hein. Donc là, ce qui est chiant, c'est que sa spé elle retire posture et bonus. Donc du coup, je suis obligé d'être étourdi. Mais bon, c'est que l'espace d'un tour, quoi. Heureusement qu'on a le commandement qui nous fait bien tanker, hein. Elle a sa spé, donc on va mettre notre spé d'Estarossa.
Voilà. Et elle est foutue. Ah, nickel. Ça aurait été cool qu'on ait full bleu. Tant pis. On va partir avec Terry. Parce que du coup, Terry avec sa relique, il peut se cleanse. Et on peut compter sur lui pour faire des dégâts. Allez, c'est parti. Ok, parfait, un petit merge de là. Mais il a déjà sa spé, lui. Ah ouais, non, mais frérot. Force aussi, là, sur les merges. En vrai, je pense que je vais le laisser spé, hein. Ouais, je sais pas. Ah non, il a. En vrai, je vais lui enlever sa spé. Là, il a deux malus de réduction de stats offensif. Défensif, pas. Donc, ça fait aucun dégât. Mais en fait, ça revient au même. Bête. Perd du temps. Ouais, je calme mon refrain sur les merges. Voilà. Ah mais je fais zéro dégâts. Ouais non mais c'est fou. Le stat offensif elle est violente. Hein. Combien qu'il m'enlève? Ah ouais, c'est du 50%! Ah ouais. Ah c'est vraiment violent. Hein. Comment on pourrait faire du coup. Bref. Pas grave. Hein. Ça va prendre du temps à le tuer, c'est tout. Hein. C'est quoi sa carte de gold là? Non. Non. Okay. Ah, c'est en carte gold que ça réduit de 50%. Ok. Pour ça qu'il m'a mis cher en fait. Il a eu un marigold. On va le tuer à petit feu, hein, mais on va réussir. Hein. Alors, je tiens à préciser que je fais ça juste pour le fun. Hein. Il n'y a aucun. Tu gagnes que dalle à le faire avec un seul perso. Hein. Voilà, au cas où que des gens se posaient la question. Il n'y a rien de supplémentaire si tu le fais qu'un seul perso. Hein. C'est juste moi qui me fais un petit cleanse. Du coup il a sa spé, on va lui retirer. Voilà je... Ah non il a plus de... Ok. Ah, vas-y bien, hop. Une tour 3 hein. Vas-y, attaque, frérot. Ouf. Voilà. Ce fut long, mais il est mort. Hop. Du coup, j'affronte un de mes persos au hasard. Parmi les trucs que j'ai utilisés. Je l'affronte à M. Hop. En vrai, go mettre ban. Hop. Comme ça, avec ban, j'aurais juste à move mes cartes et aspect, il aurait gagné. Voilà. Comme en PVP, les gars. Oh. J'ai déjà vu des mains de merde, mais alors là.
Ok, c'est bon, on est de la full passif. Je vais lâcher ma meilleure carte gold et puis après ma spé. Hein. Comme ça lui fera un bonus et puis voilà. Hein. C'est well play. Hein. Quasiment mordi avec la carte gold, le pot. Après, il va bien régen là, peut-être. Ouais, bof. Voilà. Oh nice, j'ai gagné cette pierre de gravure, ça valait le coup. Nombre bleu. On y allait avec Brunhilde. Au moins, Brunhilde elle peut se heal avec sa spé. Enfin. Je sais pas si. Ouais, si je pense qu'elle aurait ma spé. Hein. Avant de le tuer, hein. ils ont comme un peu plus de vie que la cave 3, quoi. Oh nice, hein. Une fulmigold direct. En plus, il est full orb. Attention, 87k, ok, ça va. Par contre, j'ai pas eu de luck, j'ai pas ma spé T2 moi. J'ai pas sa luck au beau grain. Il fait quand même mal, hein. Et lui, il se tape des merge gold et tout, tranquille, moi. J'ai eu qu'un seul merge gold, quoi. Il est au moins son troisième. Alors heureusement que Brunhilde a pas mal de vampirisme de base. Hein. Du coup, elle résiste. Hein. Normalement, je le tue avec ma spé. Hein. Et s'il le tue pas, bah, je me remets full vie. Donc, pas un problème. Ah, c'est vrai qu'il y a une résu. Oh, raison de plus d'avoir mis Brunhilde du coup. J'avais complètement zappé la résu. Hein. Dans ma tête, elle n'y était pas la résu. Hein. C'est grave quand même. Du coup, je l'ai bien tué, mais il y avait la résu. Au moins, on s'est remis full vie quoi. Et le petit merge gold là. C'est grave, c'est grave. Oh, il a jamais de merde le gold, moi. Lui, le bot, il a aucun problème pour des merge gold. Hein. Que ça tue? Ouais. Ça va. Brunhilde MVP, hein. Avec le link Elisabeth pour la résistance. Il a fait toquer un peu plus. Ok, du coup, rouge. Ok. Accusax. On va choisir l'option vampirisme quand même. On va pas prendre de risques. Même T1, j'arrive pas à avoir de merge gold. C'est grave hein, quand même. Hein. Ce qui est bien avec Cusack, c'est que tous les tours je peux lui retirer sa spé. Donc elle partira jamais en spé. Par contre, le jeu se décide pas à me donner des merge gold, hein, c'est abusé. Bah, ce tour là je pourrais pas lui retirer l'aspect du coup. Enfin le tour d'après plutôt. Parce que du coup la carte que j'ai pu acheter c'est ma spé. Elle a combien d'HP là? J'aurais Cusack spé 3, elle aurait tenté l'aspect. Hein. En vrai 129 000. Ouais non. En vrai je le tue tous les jours. Hein. Ah non, 78 000. Naise.
T'as pris un classe P1. Oh, par contre, elle a le top fort. Hein. Bon, maintenant, on connaît un peu les dégâts de Cusack sur l'aspect. C'est de la ça. Aïe. Ah, enfin un Merle Gold. Waouh. J'en reviens pas. Je peux donc en avoir aussi. Ouais, pas ouf les dégâts. Hein. Donc on a vu qu'on tapait 79 000 à peu près. Avec l'aspect. Il reste combien de vie là? 24 000. Alors on la tue. Ok. Ok, on va remplacer du coup encore du vert. Ouais, au pire, Golos Vein, hein. Et qu'il augmente ses chances crit. Pas forcément crit sur Golos Vein. Du coup, il aurait des marges gold. Du coup, il aurait que des cartes gold dans ma main là. C'est grave, je peux même pas avoir ma SPT2 quoi. Il fait super mal. Il m'a complètement détruit là. Jamais, hein. Est-ce que je vais survivre? Okay. Ouais, c'est bon, on survit. Ok. Par contre, faut pas se manger deux spé, quoi. Boum. Voilà. Aise. C'est la strat. Mettre Lost Vein. Pour leur sortir. Enfin. C'est quoi? C'est Cusack, du coup, qui l'affronte? On va voir si peut-être. Ouais, c'est ça. Avec Lully Merlin hein, face à lui. En vrai, là, c'est la découverte de la cave. Hein. En vrai, il y a. J'ai pas encore utilisé The One, j'ai pas utilisé Kingfest. En même temps, le Kingfest, je préfère le garder pour. Comment ça s'appelle? Pour affronter un de mes propres persos, quoi. Parce que devoir affronter moi-même mon propre king, ah, ça serait relou quoi. C'est pour ça que je l'utilise pas contre des autres personnages quoi. Affronter The One, ça va, c'est faisable, mais voilà quoi. Voilà. C'est pour ça quoi. Ambre rouge. On va tenter avec Chandler, du coup avec le Link Zeldris Vampirisme bien évidemment. On verra bien si ça peut passer. Espérons que je ne meurs pas directement. Parce que ces dégâts c'est abusé hein, par contre. Hein. J'ai l'impression que... Ils ont un petit peu truqué les dégâts quoi. Je veux bien qu'il fasse des dégâts de faiblesse, mais là, les prix c'était pas très légal quoi. Je me suis pris une carte gold, limite je suis parti sur Namek. Hein. Il rejoint Papa de Loni. Hein.
Allez, Counter Gold. Oh. Un mal est dégueulasse. On va lui faire ça, comme ça il aura pas les dégâts de faiblesse. Hop. Ouais, non, j'aurais dû mettre un counter pour Elgin en vrai. Ah, mais on a l'aspect. On va mettre notre aspect, hein. Voilà, on revient comme ça. On est quasiment full vie. Enlève le malus. Voilà, parfait. Et counter goal? Oh non, mais c'est... Ok, au moins un counter 2, ça va. Pas beaucoup de luck sur les counters, hein. Voilà. Le coup Chandler est plus rentable que The One. Hein. A besoin de Regen. Voilà. Parfait. C'est passé. Ok, deux marteaux. Nice. Du coup. Oh, encore du rouge. Ok. Sigurd. Du coup, pour cette étape, il me faut l'aspect de The One au tour 2 et il faut que Sigurd n'ait pas l'aspect T2. Sinon, c'est foutu. Ok, allez, allez. Ouais, ouais. Voilà. Parfait. Il a pas l'aspect, j'ai ma aspect. Ah, si, il aura l'aspect. Oh. On va quand même essayer, mais j'y crois pas. Hein. On va me démonter que ça se paie. Hein. Il met deux monos. Ah non, il a pas ça se paie. Nice. Par contre, il a quand même deux monos. Hein. Je sais pas s'il veut les tanker. Hein. Ok. Donc là-haut, ok, nice, parfait. Allez, on le tue avec l'aspect The One. Boum. Compliqué, Sigurd, hein, compliqué. Hein. Ok, vert pour terminer. Ok. Oui, c'est avec Sariel. Hein. Ouais, j'ai aucune garantie que ça passe. Hein. Allez, let's go. Ah, pas de marge gold, c'est dommage. Hein. En vrai, je pense que je vais tenter la mono cible niveau 1 pour essayer de marge gold. J'ai pas trop de dégâts après avoir avec l'aspect. Allez, Merge Gold, s'il te plaît. Nice. Oh, ça va, il fait pas trop de dégâts, hein. Ouais, c'est vrai qu'il retire les orbes de Cool Team. Bon, de toute façon, pas besoin de m'asper, hein. Par contre, deux speed tours de suite, là. Allez, la RNG, monsieur. Eh, Merge Gold, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Ah, dommage. En vrai, heureusement qu'il tape pas très fort. Hein. Mais bon, plus les tours passent, plus il augmente ses stats, donc. Bon, en vrai, avec Ban... tous les tours, il a sa spé. Ah, c'est vrai, bah, il vole mes orbes, c'est vrai, forcément. Forcément, vu qu'il vole mes orbes... Bon, ça va, on s'en sort quand même.
Oh, nice, il a pas sa spé. Ah, je le tue pas. Oh, je pense pas qu'il me tue non plus, de toute façon, il est qu'une arme. De toute façon, il est de la full arme, bon. On le rien pour lui. J'ai de la chance qu'il tape vraiment rien. Voilà. Allez, tue-le. Nice. Ça ne lui a pas grand-chose. Hein. S'il ne le tuait pas, c'est lui qui me tuait. Par contre, c'est une blague, ça. On a toujours 15 marteaux. Et du coup, la dernière ombre... C'est pas The One, ça. Fleur. Et... On va go mettre milieu 3K. On va prendre la tête, on va prendre l'avantage type. Hop. Allez, allez, merge gold direct. C'est peut-être un peu trop. Et nice. Gueule. Grave. Go rush notre spé. On va taper même s'il n'y a pas l'amplification. Voilà. Un tour il est foutu. Il va bien régénérer avec l'aspect. Hein. Peut-être un tour de plus. Ouais. Après il a pas crit aussi. Easy cette cave. Oh, par contre, ça c'est une putain de blague encore. 4 pierres. Bon ben voilà. Grotte terminée. On a réussi à faire avec un seul perso par team et sans bouffe. Du coup, on est vraiment god tier. Hein. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. À vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. À partager la vidéo pour un maximum de renforcement. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.